Présentation les gars de la GT3 by Hamza. Vas-y viens. La particularité des GT3 déjà. La sortie de peau, peau serrée. Ouais. Typique de la course. Spoiler arrière. Ouais. Inversé, fixe, il bouge pas, il est pas dynamique. Appui, dynamique, fixe. Ok. Bien, bon la barlette, ça je te fais pas de dessin. Pourquoi? Le bas de pare-choc en plastique. Pourquoi? Gain de poids. J'entends magnésium. Autant te dire, la rayure n'est pas permise. Mono écrou. Tu crèves au milieu de la 86. Crois pas, tu vas aller avec ta croix. Ça marche pas. Carbone céramique. Filme le siège squelette, s'il te plaît. C'est pas comment, siège squelette? Ouais. En fait, c'est impossible de le régler en comme ça. Ah, tu ouais. Peux régler qu'en avançant, la posture c'est la même. Ok ouais. PDK. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais. Boîte PDK, c'est le type de boîte de chez Porsche. En fait, c'est l'une des plus rapides. Okay. Là. Qu'est-ce qui différencie une GT3 d'une 911 classique? L'aérodynamique à l'avant sur le capot. Là, je sais pas. Ça m'a pas l'air d'être du carbone celui-là. Il a déjà été tapé, hein, je pense. Ouais. Là, lame ouais. En plastique ouais. Et normalement en dessous ça, t'as même un spoiler qui se déploie quand tu mets en mode track. Okay. T'imagines pour la vue aérodynamique. Magnifique. C'est complet. Je trouve que c'est 565 chevaux. Il y a juste le truc triangle là, t'as pas moteur Atmo. Le truc en triangle derrière là, je pense que c'est bon. Ah, l'arceau de sécurité. Arceau. Ça c'est en 4 tonneaux. Okay. Comme ça la voiture, tu vois, elle se déforme pas et tu peux pas mourir. Autre particularité, pourquoi Porsche ils sont trop forts? C'est les voitures les plus équilibrées. Parce que le moteur il est à l'arrière. Le moteur il est pas à l'avant ni en centrale arrière. Il est à l'arrière, il est derrière les roues arrière. Voilà pourquoi Porsche c'est bien équilibré. Et la boîte elle est là. Tu connais hein.